Oh, bonjour, bonjour et bienvenue sur cette 158e VOD Moe Moe avec Virus sur Hyper Dimension Neptunia Reverse Two Sisters Generation. Chose première, chose due, nous allons entrer dans le Land Castle Underground. Allons-y. Et bien sûr, il va y avoir des événements étranges, étranges et mystérieux. Je ne sais plus d'ailleurs, je crois qu'on avait déjà vu ce donjon lorsque nous avions fait la bad ending. Mais ça ne coûte rien d'y repasser. Vous voyez, je suis en auto-win. Tout simplement parce que... Eh ben, c'est-à-dire que depuis le temps, en fait, comme vous pourrez le constater, nous avons atteint le level max pour quasiment tous les persos. Je dis quasiment, car il nous reste encore des personnages à déverrouiller. Et oui, ce n'est pas fini. Oui, oui, oui. On fera ça, vous en faites pas. Mais avant ça, nous avons un événement juste là. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe? Ah, si les informations que nous avons reçues sont correctes, l'esprit de l'ancienne déesse devrait être ici. Mais il n'y a personne ici. Mais elle n'a pas de forme physique, c'est normal que tu peux rien voir. Mais alors, comment est-ce que nous allons trouver l'ancienne déesse? Arrête de gueuler! Peut-être qu'elle va essayer de nous faire peur hein, si nous lui demandons de se montrer et elle va bouger une chaise ou un truc du genre. Hey, Uranus-san! Uranus-san! Et peut-être que si nous demandons gentiment, elle sortira de sa cachette. Uranus-san, sortez s'il vous plaît! Allez, fermez-la, deux minutes là. Pourquoi est-ce que une déesse apparaîtrait juste parce que vous... qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Ah, ça, apparemment ça a marché, elle s'est montrée. Je suppose que mon commentaire trigger l'a tout simplement fait apparaître. Excusez-moi, est-ce que vous êtes bien Uranus-san? Et bien sûr. Bien sûr, j'aurais voulu que vous n'interrompiez pas ma sieste, mais et ce n'est pas le moment de se reposer. C'est un fait sans précédent de voir 8 déesses venir me voir en même temps. La déité du péché, Magikon, est revenue à la vie. Est-ce que vous avez plus... est-ce que vous avez besoin de plus d'explications que ça? On était tellement proche de la vaincre, mais on n'a pas pu faire grand chose pour la blesser, pour une raison quelconque. Nous avons entendu dire que vous aviez vaincu la déité du péché dans le passé. Est-ce que vous pourriez nous le montrer?
勘違いがあるようじゃな。まずかつて犯罪人と戦ったのはわし一人ではない。Je vois que 三人の女神が一緒じゃ。Je vois qu'il y a quelques incompréhensions ici. Premièrement, je me suis battu contre la déité du péché avec trois autres déesses. Cependant, elles ont perdu la vie, ce qui veut dire qu'elles n'ont même plus de forme spirituelle comme j'en ai une à l'heure actuelle. Trois déesses parties pour toujours. Et même comme ça, nous n'avons pas pu la stopper. Et si nous l'avions vraiment vaincue, cette situation ne serait pas en train de se produire. Tout ce que nous avons été capables de faire, c'est de diminuer ses pouvoirs suffisamment pour pouvoir la sceller. C'est le mieux que nous puissions faire. Mais si vous l'avez affaibli, ça veut dire que vous avez été capable de lui faire des dégâts, pas vrai? Et comment vous avez fait ça? C'est le morceau d'information que nous recherchons, par-dessus tout. Apprendre ceci voudrait dire que vous pourriez devenir comme moi, ou peut-être même perdriez-vous la vie. Ça va aller, dites-le nous s'il vous plaît. Une réponse sans hésitation. Tu as certainement la vigueur de la jeunesse qui brille dans tes yeux. Très bien. Merci beaucoup. Comme vous le savez, la déité du péché n'a pas de forme. Elle est un amalgame des émotions et désirs négatifs. De toutes les émotions et désirs négatifs. Ce qui veut dire qu'aucune attaque physique ne fonctionnera. Quelqu'un doit utiliser une forme d'émotion et de désir opposée à elle. Quel genre d'émotion et de désir? Non, Neptune, ça ne marchera pas. Peut-être que, mon désir de manger des tonnes de snacks et de tomber dans le coma après avoir mangé tant de nourriture, est-ce que c'est ce que nous avons besoin pour gagner? Non. Je me sentirais vraiment très mal pour notre ennemi s'il perdait à cause de ce genre de désir. Tous les désirs devraient fonctionner théoriquement. Et il a seulement besoin d'être plus fort que les siens. Voilà. Sinon,
le côté obscur va venir vous chercher, va venir va vous envahir. Et ce fut le cas avec moi-même. Est-ce la façon dont tu as perdu ton corps? Oui, vous aurez besoin d'unifier vos émotions les plus fortes et désirs pour assurer votre victoire par rapport à elle. Les plus forts, hein. Donc pour moi, ça serait trouver les meilleurs, la meilleure collection du monde de waifu. Et manger une montagne de steak. Je voudrais chanter pour le monde entier. Et si c'est tout, alors ça va être simple. Protéger Game Industry. Notre désir de protéger le monde que nous adorons est le désir le plus fort de tous. Est-ce que tu pourrais dire des choses encore plus embarrassantes, s'il te plaît? Mais ça doit forcément être ça. Rien d'autre ne peut vaincre ce sentiment. Aussi vrai que... rien ne peut être plus vrai. Et en aucun cas je pourrais manger et tomber dans le coma sans le monde que Game Industry dans lequel je vis. Je ne peux pas supporter la terreur de perdre la possibilité de jouer à des jeux à cause d'un monde chaotique. Vous êtes étonnamment honnête à propos de vos vraies motivations. Les livres. Eh bien, ce sont les déesses modernes. Peut-être que j'aurais trouvé une fin différente si nous nous étions rencontrés il y a des années. Je ne peux pas quitter cet endroit, mais je vous souhaite le meilleur de toute votre chance. Voilà. Désolé, c'est absolument pas français, mais c'est pas grave. Merci à tous pour votre aide. Enfin, nous vous remercions toutes pour votre aide. Eh ben ça va être sympa ça. Bon, ce qui veut dire que pour avancer maintenant, hein, il va falloir continuer à regarder tous les events à droite, à gauche, machin et tout. Voilà. Juste un petit mot avant d'arrêter cette VOD, vous voyez que on est un petit peu avancé dans le Colosseum, bien sûr, hein, et je compte continuer et récupérer donc les armes complètement pétées qui me sont proposées dans les différents combats. Alors oui, ceux-là on les a pas fait parce qu'on les avait déjà fait dans le cycle précédent. Je pense que c'est évident que je vais pas les refaire.
Mais voilà, il m'en reste deux là, et on les fera très certainement hors VOD. Donc si vous voulez regarder ce qu'on fait hors VOD, vous pouvez également venir sur les lives sur Twitch. Voilà. Et bien écoutez, cette VOD s'achève ici. Voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like, un commentaire, éventuellement partager la vidéo avec vos amis, votre famille et qui sais-je encore. Plein de gros bisous et surtout hashtag Amour Viril !